à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect. Et on reprend ça à ta dernière fois dans le Wangfu du jeu. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler? On sait déjà tout. Au revoir, Shepard. Haha, je vous détrolle. Non, j'ai pas voulu lancer une discussion, sinon... Vous connaissez ces épisodes-là, si je commence ces discussions avec le monde d'équipage, ça dure un épisode complet. Donc, j'ai fait mes petites emplettes, hein. Il me reste plus beaucoup d'argent, il me reste plus que ça, plus qu'un million. Et j'ai toujours pas pu obtenir cette armure Colossus. C'est une deuxième armure Predator légère, niveau 10 pour Yara humaine, j'ai toujours pas pu obtenir, ou une armure niveau Colossus niveau 10 légère. J'aimerais bien en avoir deux légères humaines, j'ai toujours pas pu les obtenir. J'ai pas... Random n'est pas avec moi. Alors dans le secteur... Attendez. Voilà. Dans le secteur Plutus, nous avions une planète où il y a un avant-poste, on pouvait pas aller. Alors j'ai fait des recherches. En fait, c'est la planète où on va, en fait, il y avait un avant-poste pirate. Elle est donnée par un miracle une fois que vous avez un certain pragmatisme. Ce qui explique pourquoi je n'ai jamais pu la faire. Comment je peux dire du fait de mon côté beaucoup trop conciliant, étant donné que je joue dans le jeu comme je jouerais si je serais à la place du personnage, et non pas jouer en stratégiquement, faire des choix stratégiques. Parce que moi je pense qu'un jeu, il y a plusieurs choix à faire, plusieurs choix que tu ferais à une situation donnée. Déjà fait, c'est honnête. Ça veut dire que je peux pas être trop pragmatique, hein. La preuve, je suis qu'à un point de pragmatisme en deux parties, sachant que ça c'est pas séparé, initialisé. Il faudrait que je sois. Il faut en tout, il y a 16 carrés. Il faudrait que 13 carrés de pragmatisme soient remplis pour que cette mission-là soit donnée par Amiral Hackett. Ce qui est loin d'être mon cas quand même. Et après justement je me demande si Armure Colossus, peut-être que Armure Colossus niveau 10 j'aurais peut-être plus facile à l'avoir si je serais plus pragmatique, c'est possible aussi. Pourquoi je ne fais pas de partie pragmatique ou ce n'est pas mon cycle de jeu? Parce que ça ne me correspond pas tout simplement. Vous pourriez me dire ah ça aurait été bien de faire une partie full pragmatique, une partie full conciliation. La partie full conciliation c'est quasiment ça quand même dans les parties. Hein. Je suis un peu pragmatique à certains moments. Parce que le dialogue me pousse moi à être pragmatique, mais globalement je suis plutôt conciliant. Donc au final... c'est vrai que d'un côté je pouvais pas, ça peut pas vraiment être un wall foot, ça peut être qu'un pré-foot, on est... Que des missions ne s'obtiennent qu'en fonction de votre orientation entre guillemets politique. Plutôt conciliant, plutôt pragmatique, et étant donné que moi je suis quelqu'un de conciliant, de ce côté-là, c'est sûr que ça va compliquer les choses pour être méchant, hein. Donc voilà, vous savez, sur la planète Pulus, pas de nom. Hein, vous savez maintenant ce qu'il faut pour pouvoir faire la mission. Enfin, comment rentrer là-dedans? C'est maintenant comment faire. Ouais, je vais chercher un petit peu quand même. Sinon. Encore une fois, grâce au Mass Effect Wiki, j'ai trouvé la réponse à ma question. Vraiment très bien fait quand même. Donc ce système là j'ai totalement fait, donc système voyage, côté voyageur c'est fait, féroce attic bêta, il n'y a toujours que deux, donc j'ai déjà fait les deux, mer pour moi, mer pour qu'on fait, Vostok, mer caspienne, Vostok. Un peu russe ça quand même. Bah t'avais pas c'est vers la Russie tout ça. Commandant, il y a une balise de détresse active sur cette planète.
Elle envoie juste un signal de position, sans message. Avant d'y arriver, on va finir déjà comme habituellement mon exploration du système. Écrit d'un... Bah, encore des écrits, alors que j'ai déjà terminé depuis un moment les écrits, il y en a beaucoup plus que prévu des écrits. Serviteur taurien, alors qu'on n'est pas sur Féroce. Là j'ai une chance de trouver des armures. Qu'est-ce que je disais? Déjà une. Pas bonne, mais vraiment. Pas ce que je voulais, mais bon, il y avait une probabilité de la trouver quand même. Ah. Pas des ressources. Oui, c'est vrai que je me donne plus autant la peine de tout explorer, mais bon, si je tombe à côté. C'est sur un mini-card, je trouve des ressources, j'y vais. Hein. Je vais pas quand même dire non à de l'argent, surtout que j'essaye quand même de débloquer mon arbre de Colossus niveau 10. Par contre, ça va être chiant après de revenir. Ça, je l'admets. Le mec il fait un gros détour. Bon, ça va être long d'arriver. J'espère que mon Mako va aller un peu plus vite après de l'autre côté de la montagne parce que là, il est un peu lent à monter. Ça c'est une petite technique, voilà, pour éviter de perdre, ça me prend moins de temps à faire ça qu'à voyager, donc je pars là, à droite. Parce qu'en fait, la montée, voilà, si j'aurais pas de soucis, j'ai remarqué que je pouvais en passer, j'aurais continué. Mais voilà, c'est parfois, quand vous êtes dans un endroit compliqué, vous avez, du moins quand vous êtes sorti, vous faites carrément ça, vous téléportez. Vous revenez, vous retomberez forcément à l'endroit où vous spawnez forcément au même endroit que tout le temps, hein. Sauf quand vous allez sur une planète, donc
Ah, moi je suis... Ça arrive plus vite, hein, clairement. C'est là, là-bas. C'est vert là-bas. Alors. Hop, hop, hop. Débris ancien, qu'est-ce qu'on va récupérer? Artefact protéin. Voilà, je viens de terminer cette... dans ce journal, je viens de terminer. Il reste plus que disque protéin, je viens de terminer les emblèmes turiens. Alors, on va éviter de se... de compliquer notre route. Ouais, c'est vrai que j'ai dit que comme Ako me voyait tout droit, c'est forcément, ça marche forcément bien. Mais on escalader une montagne et travailler dans des pleines collines, moi je préfère passer par des pleines collines, quitte à faire un petit détour quand même. Parce qu'escalader en montagne, au final on va escalader. Hein. Pour aller au labo d'Exogenis. Ma question c'est qu'est-ce que fait Exogenis avec des esclaves tauriens? Ils ont voulu les élever ou... Bah avec des serviteurs tauriens. En plus taurien est mort donc évidemment ils auraient dû disparaître avec je pense. Oh ça va être le... la Bérésina. On va escalader tout ça. De pseudo route indiquée là. Ouais. Le mec là c'est... Vous voyez que parfois... Ouais, il y a dans certains épisodes où on préparait pas d'exploration. Vous voyez que parfois c'est quand même... facile. Ah, des débris. Sondage recyclé, parfait. T'auras sûrement rien d'intéressant qui m'intéresse moi, c'est ça, t'as rien de bien. Mais bon, on compte. Alors, là... Ce qui est bien, c'est que là où il y a du verre, c'est votre Mako, il va vraiment bien rouler dessus. Une fois que je passe ça, moi, après, ça devrait être... tranquille, c'est ça. Ouais. Donc c'est bon, je peux virer l'indicateur. Sinon, il ne sauve pas tous les indicateurs, ce qui est bête. Mais bon. Ah, attendez, il y a une route. Ah, il y avait une route de ce côté-là. Par contre, je déteste les affronter, enfin, les affronter. Faut pas oublier qu'ils font énormément de dégâts au corps à corps, les tauriens. Enfin, les serviteurs de tauriens. Et je sens que ça m'a infesté, le laboratoire. Thank you.
c'est... Le Taurien serait pas mort ? Casier, il y a peut-être une armure dedans. Des armes. Tiens, un conteneur. Allez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Encore une fois, que des armes. C'est frustrant d'un côté quand vous avez que des armes. Des secours. Enfin. Tu vois, je t'avais dit que cette balise nous sauverait la vie. Je suis le docteur Ross, responsable des recherches de ce centre. Nous travaillons pour le compte d'Exogénie. Ça fait des jours qu'on est enfermés dans cette salle. On commençait à manquer de vivres. Vous arrivez juste à temps. J'ai du mal à saisir la situation. Comment se fait-il que cet endroit grouille de serviteurs du Taurien ? Le Taurien ? Vous êtes au courant ? Je sais ce que tramait Exogénie, oui. J'ai vu ce que le Taurien a fait aux colons de Féroce, et je l'ai détruit. Bon, si vous êtes dans les secrets des dieux, autant que je vous explique le reste. Ces créatures ont été produites à partir d'échantillons modifiés, prélevés sur les spécimens de Féroce. Nous sommes parvenus à en faire des serviteurs dociles et obéissants. Tout se passait bien jusqu'à il y a quelques jours, quand tout d'un coup, les sujets sont devenus fous furieux. On n'a été qu'une poignée à s'en sortir. Pourquoi avoir envoyé juste un signal de position et pas un appel de détresse explicite ? Parce que cette base ne peut pas transmettre hors monde. Exogénie craignait les fuites et les dénonciations. Du coup, aucun moyen de communiquer avec l'extérieur, à part cette balise qui transmet un signal de détresse vers le site de Féroce. Ils sont censés envoyer une équipe dans les 24 heures, mais apparemment on n'est pas les seuls à avoir eu des problèmes. Il y a peut-être d'autres groupes de rescapés dans la base ? Ça m'étonnerait. Vous n'imaginez pas le carnage que ça a été. Non, on est les seuls survivants. Vous avez une idée de ce qui les a rendus fous ? Il subsistait peut-être un lien entre nos sujets et le Taurien sur Féroce. Le Taurien était une entité absolument unique. Peut-être que c'est sa mort qui a déchaîné les serviteurs. J'ai entendu ce que je voulais savoir. Écoutez, on a eu tort, je le reconnais. Mais ce qui est fait est fait, ça ne servirait à rien de le signaler aux autorités. Le personnel était sous votre responsabilité. Ils vous ont fait confiance et vous les avez trahis. Vous croyez que je savais que ça allait se passer comme ça? Qu'est-ce que ça changerait de m'envoyer en cellule? En temps normal, je serais le bouc émissaire d'Exogénie, mais on dirait qu'ils ont déjà fort à faire avec Féroce. Heureusement, j'ai mis de l'argent de côté en cas d'urgence. Si vous nous laissez partir, il est à vous. Les victimes méritent justice. Je dois vous arrêter. Ça, n'y comptez pas. Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Go, go, go !
D'après le journal de bord, le vaisseau se trouvait près du voile de Persée. Ils ont découvert une sorte d'artefact alien. Ils l'ont ramené à bord, et c'est vraiment étrange, Shepard. Ils ont mis le cap directement sur le voile de Persée. Comme s'ils avaient voulu que les Geth les trouvent. Qu'est-ce que le journal dit d'autre ? La suite du journal est incohérente. Comme si le capitaine perdait la raison. Je ne vois rien qui indique comment ils sont revenus en territoire humain. Les Geth les ont décérébrés et abandonné le vaisseau à un endroit où ils savaient que quelqu'un le trouverait, en guise d'avertissement aux espèces organiques qui voudraient franchir le voile.
Je n'aime pas ça du tout. Car la déesse, la colonie tout entière a dû être transformée.
Thank you.